Charlotte, on peut aller parler, s'il te plaît? Vas-y. Là, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Ça s'annonce très, très, très compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne lâcherai pas l'affaire. Je sais ce qu'elle vaut, Charlotte, et je ne veux pas la perdre. En fait, je te dis la vérité, ça me fait de la peine ce qui s'est passé hier soir. Et je veux m'excuser pour tout ce que tu as pu voir, pour cette soirée-là. Je veux des vérités et je comprends ton énervement. Et franchement, je serai très, très patient. Mais en tout cas, sache que tu me manques et que je ferai tout pour te récupérer. Voilà. Mais en tout cas, je veux m'excuser. Après, je vais respecter ton choix que tu ne veux pas forcément parler. Que, voilà. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Autant là-bas comme ici. Okay. T'as rien à dire? Non. J'ai rien à lui répondre parce qu'en fait, je t'ai tout dit au fait de la vérité. J'ai vu le comportement, ça me déplaît. T'es pas la personne que j'ai connue, donc tes paroles, tu peux te les garder. Chacha! Chacha! En temps normal, j'aurais vrillé dans tous les sens. Mais là, en tout cas, voilà, je fais l'agneau, je dis rien. Et je suis un tout petit agneau qui dit « Ok, oui, j'ai fini. » Voilà, c'est comme ça. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bah, j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Il a dit que ça? Bah ouais, c'était rapide, quoi. C'est quoi qu'il t'a dit? Bah, je m'excuse, je suis désolée, je ferai tout, je serai patient. Ok. Mais j'ai l'impression que je suis encore plus vénère, en fait. Mais je suis tellement déçue de la personne qu'il est, là. Mais tellement. Qu'est-ce qui se passe, hombre? La météo, non, c'est... La vérité... Ça n'a pas parlé longtemps. Et non, elle n'a pas parlé. Quoi, frère? Là, je pensais qu'elle allait te mettre un bon de base. Déjà, c'est bien. Elle m'a entendu. Moi, frérot, j'ai tellement eu d'embrouilles dans cette maison que moi, ce que tu vis là, je vis tous les jours. T'es rodé, ouais. J'ai des techniques. Ah ouais? Tu vas faire la technique des 100 pas. Ah ouais? En gros, le mec, tu réfléchis à ta vie, tu sais pas où t'en es. Je le fais tout le temps. Tu vas aller marcher dans le jardin. La technique, tu marches droit, épaules vers le sud. Comme ça. Le sud de la mer. Ouais. Et tu comme ça, tu marches doucement. Genre, tu fais ça, genre. Et tu fais comme ça, ouais. Les pieds bien haut, comme ça. C'est une très bonne technique. Genre, comme ça. Attendez, là, elles vont crier. Et tous les 10 pas, tu changes de côté. Ouais, des fois, je fais des trucs comme ça. Ouais, des fois. Attends. Et même, au bout d'un moment, je chute dans un arbre. Non. Si. Genre, tu t'en veux, t'es qu'un minable, t'as raté ta vie. Donc, c'est vrai qu'on lui donne des conseils, mais quels conseils? Mais bon. On fait comme on peut, on fait avec les moyens du bord. Vas-y. Regarde son corps tout mou. On dirait qu'il contrôle pas ses jambes. Genre, on dirait pas une montre religieuse des fois. Regarde. Il fait quoi? Mais c'est ridicule. Ils ont le fou rire. Mais c'est ridicule. Ils sont tombés des chaises et tout. Parce que moi, en fait, des réactions comme ça me dégoûte encore plus. Si tu fais en sorte que je vois les choses, je pense que ça va être très long. Très, très long. Ils ont un gros fou rire. Et ils l'ont envoyé là-bas. Ouais. Ah non, il a shooté le sol. Mais Flo, quand même, quand je vois à quel point il se ridiculise comme ça devant Charlotte alors qu'il veut la reconquérir, bah, je pense qu'il a pas lu le livre de la reconquête, mais il est nul. Hein. On récupérera pas Flo comme ça, frère. Je fais ça, pourquoi vous rigolez juste? Vraiment, c'est pas méchant, mais je veux dire rien à savoir. Non, mais c'est parce qu'on le voit, il marche comme ça, regardez. Non, mais les gars, vous voyez bien que c'est ridicule. Non, genre ça me dégoûte. Vous le savez. Pourquoi? Le comportement comme ça me dégoûte. Non, mais il est vraiment pas bien. Et Joe, tu le sais en plus que ça me dégoûte. Ouais, mais je lui ai dit, ouais. Moi. Non, mais là, parce que faire genre de taper dans la pelouse, moi, je peux le faire aussi s'il veut. Alors, le problème, c'est que, premièrement, Flo, c'est une catastrophe, c'est le mec le plus maloroit du monde. Donc, pour récupérer Charlotte, ça va être compliqué. Et deuxièmement, c'est Charlotte. C'est mon ex, je la connais très bien. Et ce genre de choses, elle pardonne pas. Donc, s'il veut la récupérer, à mon avis, va vraiment falloir sortir les rames. C'est ça, me dégoûte. Mais moi, je suis même pas sûr qu'il était au courant que tu sois là. Mais moi aussi, je le fais même pas vu. Non. Mais t'as même pas vu. Il le fait pour lui-même. Moi, ça me fait du bien des fois d'aller marcher. Moi, je le connais. Nous, ça fait 15 ans. Tu sais ce qu'il nous a dit? Nous, les gars, je suis pas bien, je vais partir seul. Marcher seul comme ça, il a besoin d'aller le rejoindre. Il a besoin d'avoir du monde. Mais pas du tout, mais jamais de ma vie, j'allais le rejoindre. Tu le laisses seul comme ça, ça te fait pas mal au cœur. Peut-être qu'on n'est peut-être pas de bons conseils.
Franchement, je vous le dis, moi, mon positif, c'est que je suis beaucoup mieux seule. Au moins, je suis pas contrariée. Je suis pas collée au cul d'un mec parce que j'ai peur qu'il fasse ceci, qu'il butine, qu'il machin, qu'il soit influençable. Tu vois, qu'il soit influençable. Donc là, chaud et tu verras bien. Voilà, c'est tout. Je suis bien seule et basta, genre. Pour moi, c'est un numéro, en fait. C'est un spectacle qu'on a un peu à me faire. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, il sait que je le vois. Donc, il en rajoute. Mais en fait, c'est pas drôle. Ton attitude, elle est pas marrante. Là, t'es ridicule, en fait. En fait, j'ai l'impression que la semaine avec ses potes, ça lui a un peu retourné le cerveau. Et je ne reconnais plus la personne qu'il est à l'heure actuelle. Donc, pour moi, en fait, c'est fini, fini, fini. Je ne veux plus de cette personne. Regarde, il imite, regarde, il imite. Venez, on marche dans le jardin, on fait des... Attends, mais là, t'es saoulé, mais... Oh, c'est ridicule, mais ridicule. Non mais vraiment, allez lui dire. C'est caméra cachée. Mais oui, oui. Non mais oui. Non, ça me saoule parce que les garçons, ils font que rire. Ils sont là, ils font des blagues, ils sont en mode reconquête, mais sous l'effet de l'humour. Je comprends pas en fait. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait séparation? Clairement, je sais pas.